nous sommes allés dans la forêt aujourd'hui avec Pacha. Je suis à Linka pour une raison bien précise. Parce que Chibourashka nous a donné une carte de l'endroit où se trouve la bande de Pioborashka colorée. Vous vous rendez compte? Mais cette bande n'est pas vraiment gentille. Elle n'est pas comme notre Chibourashka habituel. Mais vous savez quoi? Après que Chibourashka nous a donné cette carte, elle a disparu pendant une semaine. Je ne l'avais pas vue en personne. Alina, regarde, il y a quelque chose. Sortons d'ici. Allons-y. C'est Chibourashka. Regarde comme il est mignon. Bah oui, il est mignon, mais il a un souci, je crois. Écoute, on va l'amener. Je vais le recoudre, le réparer. Il sera comme neuf. Très bien, Alina. On fait comme ça. Regardez, les gars, il y a quelque chose dans son ventre. Qu'est-ce que c'est? C'est un like. Ah, un like. Écoutez, les gars, si ça marchait comme ça, on peut toujours mettre un like sur la vidéo sans l'étendre. Et peut-être... Les gars, regardez, Chibourashka a un œil. Je suis ravie que vous ayez décidé de mettre un like. Grâce au like, je guéris. Et si un peu plus de spectateurs le font, je pourrais redevenir un Chibourashka en pleine forme. Aidez-moi, s'il vous plaît. Demandez à vos abonnés. Parce que je sais qu'ils sont très bons et qu'ils peuvent m'aider. Les gars, c'est donc qu'il y a une raison à tout cela. Et si vous seuls pouvez aider Chibourashka, vous comprenez? Alors tout de suite, comme je vous l'ai montré, mettez un like. Alors peut-être que Chibourashka se rétablira. Mais, fais-le! Il est de retour, ouais, seulement bien joué, fou. Les gars, merci. Les gars, c'est grâce à vous. Sans vous, Chibourashka ne serait pas le même, vous comprenez, n'est-ce pas? Je ne m'y attendais pas, regarde. Je n'avais pas réalisé que devenir le même vieux Chibourashka signifiait devenir adulte grand comme ça. C'est ainsi qu'il avait disparu il y a quelques semaines. Les gars, merci. Merci de m'avoir aidé à redevenir moi-même. Bravo d'avoir été retrouvé. Je suis très content. Chibourashka, écoute, tu nous as donné une carte et il y a une bande de Chibourashka colorée quelque part par ici. Nous devrions mieux de nous cacher dans notre voiture. Oh. Maintenant, nous allons te mettre dedans. Oh, oui. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous ne pouvez pas partir d'ici avec un tas de Chibourashka. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Quoi? Quelqu'un nous suit déjà? Chibourashka, comptez sur la feuille de papier, tu dois savoir quelque chose à c'est ce vous sujet. Mais regardez, il y a vraiment tous les Chibourashka peints en différentes couleurs, ce qui symbolise le gant dont Chibourashka nous a parlé. Ah ouais, ça semble logique. Et montons rapidement dans la voiture et traçons notre route. Ouais, en effet, c'est une bonne idée. Plus tranquille dans la voiture. C'est bien que toi et moi ayons trouvé Chibourashka. Nous l'avons reconstitué, il est en sécurité maintenant. Ouais, c'est super, merci les gars. Mais nous voulions trouver un gant de Chibourashka coloré. Et cette lettre ne nous fait pas peur. Nous trouverons quand même cette bande, n'est-ce pas, Pacha? Mais bien sûr, on n'a pas fait tout ce chemin pour rien quand même. Alors, Pacha, écoute, si j'ai bien compris, il faut aller de l'avant. Êtes-vous sûr que vous n'aurez pas peur? Êtes-vous sûr de ne pas avoir peur de ces méchants Chibourashka multicolores? Non, pas peur, ce sont des Chibourashka, ils deviendront gentils. Ah, on a vu pire que ça, hein? Quel genre de bus est ce? Ah ben, je sais pas, c'est un bus, il n'y a pas de problème, tu n'as pas vu de bus. Mais qui est-ce? Qu'est-ce que c'est? C'est juste moi? T'as vu ça aussi? Oui, il y avait des dessins sur le bus en fond de Chibourashka. Écoute, Pacha, ce n'est évidemment pas une bonne chose. Allez, mais t'inquiète pas, on avance tranquillement comme c'était prévu. Même les dessins de ce bus sont effrayants, n'est-ce pas, Chibourashka? Oui, effrayant. Ce bus fait demi-tour et qui vient vers nous. Mais ne t'inquiète pas, ne panique pas, Alina. Elles ont changé d'avis sur leur destination et rentrent chez eux. Écoute, regarde dans le rétroviseur, tu verras qu'elles roulent juste derrière. Nous, on regarde, elles nous coulent derrière. Eh bien, et alors? Peut-être qu'ils vont nous juste dépasser et ils passeront leur chemin. Tout irait bien. Peut-être qu'on sera épargnés. Peut-être qu'ils ne nous atteindront pas. Ils semblent nous attraper. Mais oui, ce n'est pas grave, ça se trouve, ils veulent juste passer. Non, Alina, tu voilà, paniques pour rien. Ils sont là. Oh, mais qu'est-ce qu'ils font? Je sais pas ce qu'ils préparent, là. Mais qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi tu t'es arrêté? J'ai failli faire un accident, tu comprends pas? Ils avaient l'air dangereux. Je n'ai pas du tout compris ce qui s'est passé. Ils viennent vers nous. Pacha, il y a un cadenas sur la gauche, clique dessus. Ouais, attends. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Je n'en ai aucune idée. Sans me faire
route est fermée. Alors pourquoi nous avons peur? On n'a pas de raison. Je ne sais pas, j'ai un peu peur quand même. Surtout, qu'est-ce qu'il me veut, celui en vert? Ah, Lina, mais qu'est-ce qu'il veut? Je sais pas, mais il y a encore le blanc, Pacha, viens, on y va. D'accord, allons-y, allons-y. Allons-y. Qu'est-ce que c'est que ça? Écoutez, c'est peut-être le cheveu rouge car rouge qui est très fort. Regardez ce que j'ai. Où as-tu trouvé ça? Oui, il vaut mieux ne pas demander. Abonnez, aidez-nous à éloigner ce cheveu rouge car rouge. Allez, juste comme ça. Allez, allez, jusqu'à si loin. Allez. Oui, non, mais qu'est-ce que c'est? Ça y est, nous sommes sauvés. On part d'ici, on part. Pourquoi ça prend si longtemps? Non, mais n'importe quoi. Je me suis un peu perdu, tu sais, ça arrive. Montez dans le bus, ne les laissons pas s'enfuir. Écoute pas, Chacha, j'ai de mauvaises nouvelles. Elles me remontent dans le bus. Merde, il faut accélérer. Ils vont nous suivre. J'essaie de conduire, mais ça ne marche pas. Peut-être trop. Peut-être quelque chose s'est cassé. Peut-être que quelqu'un a endommagé la voiture. Oui, 100%. Il y avait un chevauchage qui était allongé sur le capot. Il a probablement endommagé la voiture. Et qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons essayer d'aller en ville et de demander de l'aide. C'est pas très loin d'ici. Et on conduit lentement, alors. Oh, attends. Il y a une sorte de barrière. Nous ne pourrons pas avancer. Où devions-nous aller alors? Nous pourrions prendre à gauche, aller là-bas. Il y a vraiment une voie à gauche. Allez, rattrape-les! Allez, faut les attraper! Plus vite! Maintenant, nous allons leur montrer. Ils ne partiront pas d'ici aujourd'hui. Oh non, qu'est-ce qu'on va faire? Je sais pas, Cheburashka, qu'en penses-tu? Qu'est-ce qu'on devrait faire? Mais je ne sais pas, partons! D'accord, tournons à gauche. Je crois que nous avons pris la bonne décision. Ouais, ça va probablement marcher. Pourquoi tu t'es arrêté? C'est pas moi, c'est quelque chose qui s'est produit. Quoi? Est-ce qu'elle a été éteinte? C'est tout? Je pense que oui, on dirait qu'on est là pour longtemps. Sortons et allons voir s'il y a quelque chose de l'extérieur qui nous empêche de voyager. Oui, allez. Écoute, Pacha, qu'est-ce que c'est cassé? C'est réparons-le. Ma foi, je sais pas, je ne me connais que dans des petites voitures, tu sais. T'es sérieux, Pacha? Alors, pourquoi nous avons ouvert le capot? Et si tu ne connais rien en voiture? Non, mais... Parce que dans tous les films, ils font comme ça. Et puis, j'ai vu d'autres le faire, alors je l'ai fait. Mais ça n'a pas servi. Eh bien, merde, Pacha. Ah, ouais. T'entends quelque chose arriver? T'es sûr qu'on va pas être grillé? C'est bien que nous soyons entrés ici, juste derrière les buissons. De là, si on conduit depuis la route, on peut pas nous voir. Donc, tout est très bien. Oui, c'est sûr. Sur des roulettes, c'est ça? C'est ça. Regarde, c'est le bus avec des Cheburashka colorés. Mince, ils arrivent, je crois. Les voilà, tu les vois? Dommage qu'on n'entend rien. Mais qu'est-ce qu'ils font là? Ils sont quelque part ici. Nous devons nous séparer. Toi, va là-bas. Toi, là-bas. Et toi, avec moi. Et toi, tu vas garder ce bus. Oui, je vais le garder. Je ne laisserai personne passer. Si je les vois, je crie tout de suite. Eh bien, au travail! Apparemment, ils sont mécontents, je sais pas, ils ont l'air méfiants. Oui, ils se battent, c'est bon pour nous, n'est-ce pas, Cheburashka? Oui, ils se disputent. Je sais pas, j'aimerais bien savoir de quoi. Ils ont décidé de se séparer et il ne reste plus qu'un seul Cheburashka. Alors, il s'avère que nous pouvons l'attraper? L'attraper? Pourquoi? Nous allons nous lier d'amitié avec lui et il nous dira tout. Eh bien, écoute, ce serait plus efficace de l'attraper d'abord. Faisons-le à notre façon. En fait, l'idée n'est pas mauvaise, mais il faut pas se lier d'amitié avec lui. Il faut juste l'attraper et lui soutirer des informations importantes. Parce que qu'est-ce qu'ils font ici? Qu'est-ce qu'ils préparent? Et surtout, et peut-être ils ont besoin d'une amie, comme Gina l'a été pour Cheburashka, et alors deviendront bons. Enfin, il faut qu'on comprenne tout ça. Ouais. Nous allons donc nous approcher furtivement de lui. Ouais. Écoute, nous devons utiliser une sorte de technique pour l'attraper. Ouais, pourquoi pas une technique kung fu? Non, attends, là où il y a le prix, c'est fou. Je ne suis donc pas disposé à l'utiliser, donc qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi le rapport? L'essentiel, c'est que la technique fonctionne. Lorsque j'ai appris le kung fu avec un maître, je donnais simplement une grosse baffe, hop, et c'est tout. L'adversaire est immobilisé. En plus, ils ont des oreilles. Écoutez, si t'es prêt à ce que ça marche,
je le suis aussi. Alors, ouais, vous, allez, vous, on y va. Il est où, vous? Il est là. Nous sommes amis maintenant. Au secours. Nous sommes de très bons amis. Au secours, aidez-moi. Eh ben, dis donc, comment tu t'es débrouillée? Moi, parce que je suis immédiatement amie avec mes amis. Quel intérêt d'attendre? Vous avez trouvé un ami, soyez amis tout de suite. Eh ben, ça me semble logique. Logique. Ouais, il faut faire quelque chose pour qu'il parle. Est-ce que tu vas parler? Non, je ne parlerai pas. Oh, guerre bavarde. En fait, je m'en doutais bien, mais c'est pas grave. J'ai un outil de torture effrayant pour ça. Vas-y, apporte-le. Le voilà, c'est un outil de torture. N'en aie pas peur, c'est une charge de masseur. C'est vraiment ma sœur. Oui, c'est vrai, mais je pensais pas qu'elle le savait. Oh, tu te trompes, ça va être un appareil de torture. Oui, je sais, non, c'est pas effrayant. Écoute, Chiborashka, je voulais jouer avec ton d'accord. Oui, regarde, on va te le prouver. Ah, Chiborashka, tu as peur? Non, j'ai peur. J'ai peur, c'est bon. S'il vous plaît, je vais tout vous dire. Oui, tu le feras. Alors raconte, qu'est-ce que vous faites ici? Nous sommes ici pour garder la route, c'est notre route. Et pourquoi nous poursuivre? Parce que nous gardons tout ici. Pourquoi? Parce que nos oranges poussent ici. Attendez, les oranges, j'ai entendu dire par notre Chiborashka qu'il y a des oranges irréelles super délicieuses qui poussent quelque part. Ah, c'est à vous ces oranges délicieuses, fantastiques. Oui. N'y crois pas, est-ce qu'il y a des preuves? Oui, il y en a. Quel genre de preuves? Je vais le prouver. Mais comment va-t-il le prouver? Ah, wow, c'est cool les gars, c'est une vraie plantation d'oranges énorme. Tellement d'oranges. Et il y a Yolo Chiborashka, j'aimerais goûter ces oranges. Écoute Pacha, tu gardes Chiborashka jaune parce que t'as un pistolet. Hey Chiborashka et moi, on va trouver un plan. C'est ça, je l'ai caché. Chiborashka, tu plaisantes. Personne ne va cacher une voiture comme ça. Range. Chiborashka, ton idée ne marchera pas. J'ai toujours un chiffon comme celui-ci sur moi. Oh, mais comment se fait-il que je ne l'ai jamais vu sur toi? C'est parce que c'est un tissu invisibilité. Pour qu'une voiture disparaisse, il faut en fait la couvrir. Voilà. Regarde comment ça marche. Voilà. Moi, il ne nous reste plus qu'à trouver un plan. J'ai déjà un plan. Regardez, un plan en plusieurs étapes. Première étape, sortir de la forêt. Deuxième étape, nous cacher du bus, le contourner, nous faufiler pour qu'il ne nous voie pas. Troisième étape, trouver une plantation d'oranges de cette Chiborashka. Quatrième étape, voler ses oranges. Oui. Et cinquième étape, manger ses oranges avec plaisir. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est génial, non? Eh bien, écoute, Chiborashka, nous n'avons pas d'autre plan. Donc, on doit suivre ce plan. Alors, vas-y, garde, sinon il va s'enfuir. D'accord. Et toi et moi, Chiborashka, nous devons déterminer où nous devons aller en prier parce qu'il faut trouver leur plantation. Eh bien, allons-y, voyons voir. Vous ne pouvez pas me laisser rentrer chez moi. Tais-toi. Quoique, eh bien, en principe, oui, nous pouvons te laisser partir. T'étais pas dans mon plan. Bon, allez, tu peux aller. Pourquoi chercher quand on peut simplement demander à John? Oh, c'est vrai. Allez, on va demander à John. Oh, attends. Tu l'as foutu où? Qui? John. Comme nous n'avions plus besoin de lui, je l'ai laissé partir. Comment savoir où se trouve leur plantation? Ah, c'est pour ça alors. C'est quelque chose à quoi je vais pas penser. Pacha, t'es stupide. Nous allons devoir utiliser le plan de Chiborashka. Le chercher, je sais, je suis de se promener et de chercher, c'est bien. Mais je ne le suis pas. Où étais-tu? J'étais torturé. Ils m'ont attrapé, ils m'ont torturé. Je leur ai tout dit. T'es un imbécile, mon garçon. T'es complètement débile. Nous devons aller à la plantation et tout cacher. Oui, dépêchons-nous. D'accord. Prenez ces caisses et portez-les jusqu'au bus. Bon, il y en a une ici. Je l'ai. 1, 2, 3. Il en manque une! Imbécile! Lequel d'entre vous a perdu une autre orange? C'est peut-être toi!
Non. Réponds-moi. Non, ce n'est pas moi. Peut-être que c'est toi. Non, non, c'est pas moi. T'es sûr? Mais bien sûr. Cherchez vite, bande de nuls. Allez, en marche. Plus vite. Oh, je l'ai trouvé. Donne-moi ça. Oh, je l'ai. J'ai un plan. Tout le monde ici. Nous allons fabriquer un piège. Ça va être mortel. Bon, je vais l'accrocher ici. Allons-y, les gars. C'est tout à fait acceptable. Je vais tendre un piège ici. Très bien, nous pouvons nous cacher. Pacha, c'est à cause de toi que nous devons marcher si longtemps. Eh ben, ça va, on avance. Je crois que le monde s'est fait nuit. Ouais, un peu, mais c'est pas grave. Ce n'est pas encore noir. Attendez, c'est leur bus. Ouais. Il est écrit qu'il n'y a pas d'orange ici. Mais évidemment, ils ne sont pas là. Ils sont dans à la plantation. Dans une plantation, oui. Pourquoi écrire ici cela si c'est déjà clair? Mais Alina, c'est logique. Toi, tu m'as dit que c'était stupide. Mais c'est pas moi. Ce sont ces machins aux grandes oreilles. Eh ben, pas toi. Seulement les colorés. Ouais, ouais. Regardez, il y a une sorte de flèche. Qu'est-ce qu'une flèche? Tu penses qu'ils dirigent directement les flèches vers l'endroit où se trouve leur plantation? Non, j'ai pas dit ça, j'ai juste remarqué la flèche, mais en général, ouais, ils l'ont probablement fait. Ils sont tout simplement stupides, ils nous montrent le chemin de leur propre plantation. Elle peut pas être aussi stupide, je ne crois pas, je préfère croire que nous sommes en train de tomber dans un piège. Mais non, Alina, c'est pas vrai. Allez, suivons ces flèches, elles nous amèneront là où nous devons aller. Donc on n'a pas le choix de toute façon. Voilà ta flèche, Pacha. Ouais, nous sommes sur la bonne voie. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, si tu n'avais pas laissé partir le jeune, rien de tout cela ne serait arrivé. L'intendu tourne notre plan d'ailleurs. Alors, tu crois qu'on va vraiment rencontrer cette plantation? Voilà encore une flèche. On s'approche. Jusqu'à présent, tout va bien. Je crois que je sens une orange. Ah, moi, je sens l'odeur. Et où? Oh, là-bas. Ils sont là. Pour de vrai. Bon sang, il pourrait y avoir d'autres chiburacha ici. Je veux aussi une orange. Je te donnerai deux oranges plus tard, ne crie pas. C'est ça, ne crie pas avant que Chiburashka ne soit là. Nous devons libérer Pacha. Le piège. Pacha, arrête. Je trouve un bâton. Voilà. Arrête. Mais arrête de me frapper. Passe-moi l'orange plutôt. Les gars, on essaie de ne pas crier en ce moment. Il y a une bande de Chiburashka quelque part par ici. C'est justement eux qui ont laissé le piège. Nous devons donc sortir des bois. Alors, allons-y. Ok. Aïe, je boite maintenant. Aidez-moi. Je suis blessé. C'est leur bus. Il se trouve qu'il est vide. Laissez-moi voir s'il y a quelqu'un ou non. Chiburashka, attrape ça. Allez, mais j'ai mal à la jambe. Oh. Personne. Personne du tout. C'est cool. Les gars, il n'y a personne ici. Oh, super. Mais comment va ta jambe? Eh ben, d'un coup, la douleur est disparue. Les gars, c'est parti. Nous avons un bus vide. Et qu'est-ce que nous allons en faire? On le vole. Eh bien, écoutez, nous n'avons pas d'autre solution. Nous allons devoir l'emprunter, oui? Eh bien, allons-y, c'est moi qui conduis. Tu sais conduire en bus? Eh bien, puisque je le dis, je sais. Oh, il y a tellement de boutons, je sais pas à quoi ça sert. Mais d'accord, je me débrouillerai bien. Pacha, il faut que tu trouves vite une solution. Parce que je vois déjà les Chiburashki. Ah, ça y est, j'ai trouvé la solution. Allons-y. Je vous ai dit que je devenais facilement ami. Pacha, c'est super que t'aies appris à conduire. Pacha, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi cet arrêt soudain? J'ai pas fait exprès, mais regardez, il y a un Chiburashka déguisé en clown. Les gars, je crois que c'est le chef du gang. Mais
Non. Écoutez, c'est vraiment cool, les gars. J'ai envie de le rencontrer et d'en savoir plus sur ce Chebourashka le clown. Nous devrions vraiment y aller, Pacha. Ouais. Allez, on y va. Ah, il est temps pour nous de partir. Et pour vous de voir cette vidéo géniale. Ouais. Ne la ratez pas. Cliquez, s'il vous plaît, les gars. Sinon, ce Chebourashka va nous attaquer.